On est en route. On est en route pour aller aux Oliviers. Je suis avec Monsieur Michel Grenier. Salut. Comment ça va, mon Michel? Ça va très bien. On est juste moi puis Michel. Mike va venir nous rejoindre plus tard. Il veut éviter le tapis rouge avec raison. Il veut s'éviter les Kodak puis les micros tendus. Mais on s'en va comme l'année passée. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Michel? Ben, il y a un pré-gala. Puis il y a un gala. Le pré-gala est toujours à Radio-Canada à 17h15. Puis le gala est à la télévision à 20h. Sauf que dans le pré-gala, moi, je suis nommé pour maison de gérance de l'année et Daniel Grenier nommé, mon frère, pour mise en scène de l'année. Donc, metteur en scène qui était dans le gala des Oliviers avant, cette année tombe hors gala. Ah, c'est cool ça. Puis toi, tu es en nomination pour maison de gérance. Maison de gérance. J'ai pas eu le temps de stresser pour ça. C'est toutes des bonnes maisons de gérance qui sont là. Fait que, garde, si je gonge, je gonge. Si je gonge pas, je gonge pas. J'ai pas de speech à préparer. Je vais juste dire merci aux gens. Ça va être ça. Moi, je pense que tu vas gagner, Michel. Ouais, mais l'année passée, ça va pas être prétentieux, mais j'avais l'impression que j'étais dedans, la course. Mais là, cette année, je fais « Hey, Colin, que je suis pas dedans ». Mais ah, l'année passée, j'avais... Si, mettons, l'année passée, tu m'aurais demandé ma confiance. J'avais une confiance, je te dirais 8. C'est quand même bon, là. Tu sais, je me disais, je m'en vais là. Et là, aujourd'hui, ma confiance est à, tu sais, mettons, 5. Ça se peut. Tu sais, ben j'ai une chance sur 5. Fait que ça se peut. Fait que c'est ça. Chaque fois qu'on va aux Oliviers, Michel, il est tellement dans son élément, il connaît tout le monde. Tout le monde le salue, tout le monde l'arrête. Moi, je connais personne. En plus, je m'ai soumis la moitié du monde à dos. Ouais. Si je croise Réal Bellin ou bien son hostie de producteur, je suis pogné pour faire un grand détour. Même affaire pour Mère Ordinaire. Ah, ben, elle sera pas là, Mère Ordinaire. T'as vu ce qu'elle a fait? Ouais, elle a écrit qu'elle se présentait pas aux Oliviers. Elle se présentait pas aux Oliviers cette année, puis qu'elle donnait le 1000$ que, tu sais, ça lui aurait coûté. Mais en passant, s'enregistrer aux Oliviers, je pense que c'est 350. C'est pas 1000, tu comprends? Puis là, ils viennent voir ton spectacle. Puis là, c'est là qu'ils peuvent te mettre soit dans la catégorie meilleur texte, mise en scène, show humour. C'est pas 1000$, tu sais. C'est pas 1000$, mais je pense qu'elle incluait les billets là-dedans. Là, tu sais, les billets pour sa... Je sais pas, ça gagne, là, tu sais, là. Ouais, ben ça, les billets, c'est 190 du billet. Ouais. Mais en tout cas, regarde, je fais juste te dire que ça paraît assez beau comme chiffre, 1000$. C'est-tu la dernière année que ça se fait là-dedans? Oui, d'après moi, l'an prochain, ça va être dans l'autre bâtisse. C'était combien, Étienne? Ben, 21e. 21e? Ben, c'est la 21e année, ça fait 21. Ah ouais? Oui. Je suis là chaque année depuis le début. Le pire, c'est que je pense que j'y ai posé la question l'année passée, puis il m'avait dit que c'était ses 20e. Ça, Yann, tu peux faire une belle vue. Une belle shot. Là, mais là, au ralenti. Quel s'en va glorieux. Michel qui s'en va vers la gloire. Oui. Salut. Donc, c'est un seul billet. Hey, c'est Alexis, comment ça va, Ben? Ça va, toi? Ça va super bien. Je suis content de t'avoir. Ben oui, et tout. Caroline. Salut, comment ça va? T'es dans le blog de Yann. Ouais. Avec Laurence. Allô! Notre équipe, Laurence. Y a-tu des beaux yeux avec sa belle chemise? Laurence, c'est quoi ton rôle dans l'équipe, Laurence? Mettons, quelle équipe? Ben, je suis adjointe de Michel. Elle est adjointe de Michel, elle fait partie de Bank Management. Puis Mike, il dit que je suis productrice exécutive de sous-écoute. Mais je trouve ça gros comme terme. Productrice? Non, c'est bon ça. Ouais, productrice. Ben, ouais. C'est Martin, c'est ça? Ouais. Martin, c'est le
C'est l'assistant Michel. C'est son dit comme ça. C'est son slave. Là, c'est son partner. Là, ils sont en nomination aujourd'hui. Penses-tu gagner cette année? Oh, c'est pas important. On est content d'être en nomination. Mais ils disent tout ça. Tu vas pleurer à Chris si tu vas. Oh, oui, oui, je vais pleurer, c'est ça. Comme un bébé, je suis un enfant. On est dedans, la suite. L'année passée, on était ici pour perdre. Cette année, on reste ici. On change pas de formule gagnant. Michel, il gagnera pas, il va falloir qu'il l'accepte. C'est parce qu'ils sont obligés d'en mettre 5 en nomination, puis on est 5 qui s'inscrivent. C'est ça. Fait que on est là! On est 5e. On est 5e. Yes. Je suis avec Jacob Aspian. Ouais, ça! Attends un peu. On va l'avoir, la mouffe! T'es-tu en nomination, Jacob? Pour le meilleur porteur d'eau dans l'histoire de l'humour. J'ai ici pour Jer. Ah, cool! Yes! Jer qui est en nomination, je suis tellement content pour Jer. T'es-tu content pour Jer? Man, je suis tellement content. Puis moi, là, si là où il l'a pas, j'ai quand même crié « Come on, bro, t'es capable! » J'ai crié. Il va être belle à soir, notre ouais, Jer. C'est ça! Hey, c'est Luc. Ben, ça va, Yann? Ça va très bien, toi-même? Ça de moi, t'es beau dans ton habit. Merci. Ton soulier est détaché, mais je vais t'arranger ça tantôt. Je vais le faire pour toi. Parce que je sais que rendu à ton âge, des fois... Salut, Daniel! Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Excuse. Toute l'équipe du bordel qui arrive, l'équipe de sous-écoute, Charles, Mélissa. Hey! Hey! Charles! J'ai amené ma caméra, moi aussi, pour vloguer tout à l'heure. Ah oui? Ouais. Charles, il y a un hostie de bon vlog. J'aime son concept au bout. On voit qui a le meilleur vidéo de la soirée. Ah, ouais, c'est qui a le meilleur. Ton vidéo micro est meilleur, c'est ça. C'est quoi que t'as comme caméra? C'est une Canon M6. J'ai avec mes coworkers. Pierre, l'autre réalisateur. Gabi Tibi, que vous avez déjà vu. Pas réalisateur. On s'est mis beau. Ben ouais. C'est beau. On s'est mis chic. Excusez, je me suis trompé de mot. Ben ouais. Beau, tabarnak. C'est commencé. La remise de prix a commencé. C'est là qu'on va savoir si Michel est vagabond. Si jamais ça parle trop et que 50% des humoristes ont un TDAH. Metteur en scène de l'année. Daniel, il est en nomination. Il est en nomination, là. Ouais, s'il va gagner. Pour vrai, c'est quelque chose, c'est pas compris sur le. Mehdi Poussaïdan, Gabriel Poirier-Galarneau, demain de Mehdi Poussaïdan. Daniel Pichot, second vin des grandes crues. Daniel Grenier, j'adore Daniel Grenier. Alors, le metteur en scène de l'année est Mehdi Poussaïdan, Gabriel Poirier-Galarneau, demain de Mehdi Poussaïdan. Quand est-ce que je suis entouré de losers, tabarnak? La prochaine catégorie est une catégorie qui est très importante. C'est la maison de gérance de l'année. C'est des gens qui épaulent. Maison de gérance de l'année. Agence Comédia. Avant tout groupe. Bag Management. Groupe Entourage. Il est vraiment entouré de losers. Ça ici, c'est l'entrée du tapis rouge. T'as le goût de jouer à vedette, c'est gratuit, c'est comme un manège. Tu rentres et tu t'en vas sur le tapis rouge. Yeah. Ça va, Maxime? Ça va bien, je représente l'humour de 2019. Hey, check mon chum là, Tom Massy. Je suis avec les gars de Trois-Bières. Yes, yes. Puis regardez, c'est le plus beau gilet qu'il y a. Coton ouaté aujourd'hui, de Catherine Dorion en coton ouaté, avec l'art de coton ouaté, avec Nanlin en coton ouaté, ça fait Nanlin ici. Fait que je suis vraiment à coton ouaté. Sophie Durocher va capoter, là. Ça va être malade, ça va être malade. Ouais, ça, c'est pour Triggery, Sophie. Ouais, exactement. Genre, une ethnie en plus qui porte un coton ouaté en propagande. On pourra pas. C'est vraiment tous les scandales vestimentaires ouais, des deux dernières années sont réunis sur un seul gilet. Traite, là, même. Avec Jer, il est arrivé. Bon, ben, c'est le fun. On a pu déposer le flot. Dude, t'as pas filmé à Bentley, tabarnak!
Yo, ça vaut 400 000 piastres, ce petit char-là. Hey, salut, Cindy. Ah, oh, man, c'est calissement malade, bro, là. Jer, il est venu en Bentley. Il est arrivé en Bentley. Mais gros, 400 000, ce calis de char. Un char de 400 000. Yo, il y a même un ciel, en plus. Il y a un ciel dans le char? Ouais, il y a un ciel dans le fucking char, tabarnak. C'est calissement malade. Moi, je te dis, gros, si je gagne à soir, je rentre en faisant « Yes, sir, sacrament, c'est que c'est cool, tu t'es-tu préparé un... Ouais, un genre de petit... Un petit speech? Là, tu t'en vas-tu faire le tapis rouge? Ouais, I guess c'est ça. Je sais tellement pas quoi faire durant ces petits moments-là. Ça, c'est le tapis rouge? Ouais. Là, t'en vas, tu marches avec les autres, puis y a plein de monde qui vont prendre des photos de toi. Ouais. Tu vois, c'est deux légendes, là-bas. Ça va-tu, Jer? Oh, ouais. Ça a l'air bizarre. Ben, j'ai un peu un gars de fun, fait que j'aime pas ça. Ah, fait que tu files pas, là, en ce moment, là. Salut. Tu tentais pas de prendre quelque chose, t'as relaxé? Ben, j'ai ma place. Mais, hein, je veux pas pogner de photos, là. C'est la vie de vedette. Tape-toi ça. Tape-toi ça une fois au moins dans ta vie. Jerry est gêné de faire le tapis rouge. Ben, je sais pas si j'aime ça, man. Moi, j'aime me promener en Bentley. Sur le tapis rouge, c'est l'affaire la plus hard au monde. C'est l'affaire la plus bizarre au monde. Ton premier tapis rouge? Ouais. As-tu aimé ça? Non. Dernière fois, je fais ça. Il y a de l'air d'un... Oh, it's Yann, I know the fuck it was, I just saw the camera. Il y a de l'air d'un hostie de mafieux. Ah, wow! As-tu vu Poussin? Hein? T'as pas vu Poussin? Non, j'ai pas vu. C'est ça avec Jamie. C'est toi qui remportes. Tu remportes ça de ta soirée. Hey! Non! Ça, c'est non! Filme pas! Ça va, Yann? Ça va bien, toi? Yes. Chris, quand je l'ai vu, je me suis dit, Yann, de pas être loin. Un autre défi! Il y a deux caméras. Documentaire 17! Bonne soirée, Anne. Hey, merci. Salut, Misha. J'arrête pas comme Mike de la Dream Gatorade. Comment? Ah, ben ça, mais ça. Mais t'es loin de moi. Ben oui. Allô? Ça a l'air. Jason s'amène tout le temps un petit flasque. Il est prévoyant, ce Jason. D'où tu as pris cette habitude-là d'amener des flasques, mon Jason? Il y a du nouveau brunch. Même m'en a fourni un l'année passée, puis j'ai compris comment que ça marche. Oh, Mike, il a le sien aussi. C'était Blue Jeans Bleu, mesdames et messieurs. Get it right. Fan de Get it right. C'est parti, c'est la première pause de publicitaire. On est parti pour 3 minutes. Fun comme ça. On est vraiment une maudite gang. C'est la première fois à Charles. Il y a Poseidon, Pantelis, il y a BTB. On est une méchante gang. You know, Yann, it's a lot of fun with the whole gang.
but a lot of this shit is so stupid, right? Are we all on the same page? How dumb is a lot of the stuff they're doing up there? And some of these people, like, who's the guy that just won? Julien Lacroix? Yeah. How much coke is this fucking guy doing? Like, how much coke is this guy doing? Gary, Gary, let's play this game. Et Olivier est remis à... Hein? J'ai eu des brassières, ils m'ont donné moins de troubles. Hein? Mike Ward, noir de Mike Ward. Tu penses-tu que notre premier ministre laisserait passer ça? Tu penses-tu que Captain Blackface laisserait passer quelque chose de même? Il aime tellement ça de moquer du monde, merci. Moi, la journée, ça va arriver pour vrai. Je pense que je vais faire une dépression. Je vais me mettre à boire à tous les jours. Non, pour vrai, merci beaucoup pour ça. Puis j'ai écrit un speech sur la liberté d'expression que je ferai pas là parce que ça va downer l'affaire. Mais si je gagne Olivier de l'année, je vais le faire. Fait que la balle est dans votre camp. Merci. Mike vient de gagner. Auteur de l'année, c'est ça? Ça t'attendait pas à ça. Auteur de l'année, oui. Auteur de l'année. Un premier prix pour Mike. Et deux. Ouais, comment ils vont gagner? Après la pause, ça va être la catégorie podcast. J'ai même pas peur, moi. Qui tu penses qu'il va gagner? Certainement pas quelqu'un d'autre que nous autres ici. C'est quoi la catégorie? Podcast. Ah, c'est Jer. Mike Ward, je vous écoute. Et là, 2-3 ans plus tard, lui, il a perdu sa job, puis moi, j'ai m'acheté une Tesla. Je vous remercie tout le monde que vous voyez en arrière de moi. C'est tout du monde qui travaille sur le podcast. C'est grâce à eux si le podcast existe. Je vous remercie tous les humoristes dans la salle qui viennent au podcast. Gros, gros, gros merci. Premièrement à Mathieu Pepper. Deuxièmement, merci à Yvon Deschamps qui est venu cette année pour m'en faire plaisir. Pour donner de l'argent à sa fondation. Merci tout le monde. Salut. Merci, merci. Merci, merci. Yes. Félicitations, mon frère. Non, non, mais Yann. Bravo, Yann. Yann, ça ça roule? Passe pas le cadavre. Yann, Chris, man, bravo. Ben, merci. Ben, merci. Bravo à tout le monde, c'était le fun, on était content. Yeah! Bravo à Mike. Ah, man, je suis content. Yes, ils vont pas te casser ma verre. On rentre ici. Hey, je veux juste cogner un verre d'eau. En fait, non, là. Hey, Chantal, t'as-tu de l'eau ici? Oui. Ici.
Yeah, we're water. Yes. There's water in there? Yeah. There's more people that wanted some water. It's okay, never mind. Not for you. All right, bye. All right, bye. Ça me prendrait juste. Je vais te chercher, Olivier. Je vais te chercher. Parfait. Il est à ta place? Ouais, amène ça à ma place aussi. Donne-le à Marie. Parfait. Je te rejoins dans le bureau. Merci. Tu peux faire des photos pour un. Non? Ah, t'as pas le temps? T'as pas le temps? Non? Ah, merci. Bravo. Merci. Excuse-moi, on tombe s'asseoir. Est-ce qu'on va tomber s'asseoir? Oui. J'ai une mère. Est-ce qu'on peut applaudir ma mère qui a vu mon show 250 fois, s'il vous plaît? Merci, maman, d'être mort de vie. Je t'aime, mamie. Calisse que t'es décevant. Ah! Ma mère va changer! Non, mais je sais pourquoi. Ça manquait de rot. J'étais déjà gagné. Grand fan. Être nominé, non. C'était déjà assez non, bon. T'es un perdant. Alors, le spectacle de l'humour de l'année est remis à... Noir de Mike Ward! Je vous remercie, Michel Grenier. Tu sais que moi, j'ai eu... Michel, applaudissez-le. J'ai eu une couple d'années vraiment rough, et Michel aussi. Merci d'être là. T'es tout le temps là, Michel. Merci, tu travailles fort. Je suis désolé si je narde avec toi des fois. Merci beaucoup. That's our fault. Fucking gonna take everything, bro. He's gonna walk out of here like this. Fucking balls is swinging his dick everywhere. His bag's gonna be full. This is great, Jan. You feeling this? I love it. Loving it. Everyone is very upset with us. This is the winning section right here. This is where the winners sit. Ça va être l'Olivier de l'année. Ça va être l'Olivier de l'année. On s'en recommence. Mesdames et messieurs, l'Olivier remis à Mike Ward. Wow! 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 Merci. Moi, je pense en humour, je pense on a le droit de rire de tout. La seule chose qui devrait compter, c'est le contexte et l'intention. Et quand tu vois qu'il y a un des humoristes qui commence à avoir de la misère, ça veut dire on va avoir toute de la misère bientôt. Puis si tu le réalises pas encore, quand tu vas finir par comprendre, il va être trop tard. Mon nom est Mike Ward et je suis un humoriste. Merci beaucoup. Un beau moment.
on vient d'assister à un petit moment historique. Ouais, un petit... Qu'est-ce que t'en as passé du speech à Mike? Exactement. Ben, tout était là. Tout était là. Il était insane, le speech de Mike. Exactement, man. Il est bright. Moi, c'est genre comment que. Tu sais, il a pointé. Ben, personne. Il a pointé bon. les bonnes personnes. Tu sais. Même le début, là, c'était très, très beau. Ça, c'est une belle réponse pour justement la population. Tu sais, il y a pas. Ouais, tout est. J'ai vraiment l'impression d'avoir assisté à quoi d'historique. Ouais, ouais, vraiment. Ah, oh, ouais, vraiment, vraiment. Certains. François Bellefeuille, ça va être le... On va faire le thumbnail.